Bien, yo, what's up, guys, c'est Raph. Aujourd'hui, on est back pour un tout nouvel épisode de notre série sur Arc Vanilla. Aujourd'hui, vidéo plutôt particulière puisqu'on va faire un truc que je n'ai jamais fait sur Arc, ce qui veut dire aller tout simplement tame une abeille géante pour pouvoir avoir infini de sève après. Tout simplement avoir une ruche d'abeilles. Mon objectif, ça va être d'en faire une lors de cette vidéo, alors je vous emmène avec moi. Et puis on va bien voir où ça va mener. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour la préparation de cette fameuse ruche. Bon. Fac, on a tout ce qu'il faut normalement pour faire notre keyball. Simple, si je me souviens bien, c'est la première fois que je fais des keyballs, fait on va en faire 3, je pense que ça va suffire de toute façon. On va tout récupérer, boum boum boum, on remet l'essence, on garde ça. Ensuite, il nous faut quoi? On va remettre ce qu'il faut dans les frigos, alors ça, boum. Le deuxième, on met l'œuf. Ceci, on va mettre la viande. Et également. Ok. Idéalement, on va prendre aussi un truc à insectes, contre les insectes. Je l'ai sûrement pas appris. C'est répulsif à insectes. Et voilà, juste ici. Ah oui, c'est dans les consommables. Médecine. Il nous faut quoi? Des carottes, des citrons, de la fourrure. De la fourrure, ok. Alors, de la fourrure. Je pense que j'en ai quand même. À moins que je les ai jetés. Non, j'en ai quand même un peu. Quand même un peu de fourrure. Il me faut beaucoup de citrons et beaucoup de carottes. J'en ai quand même pas mal. C'est pas énorme, mais je pense que ça va faire clairement. J'ai pris des patates à la place des citrons. Je pense que j'ai pris les patates à la place des citrons. J'ai pris les patates à la place des citrons. Et voilà. Petite gorgée d'eau. C'est nickel. On met ça dans le labo. On fait ça. On en fait quoi? 2, 3. On s'en a fabriqué plusieurs. On en a fait 12. Je pense être en masse suffisant. C'est quand c'est PM? PM dans pas longtemps. Puis PM dans 5 heures. Fait que c'est également en masse. Bon, le temps de trouver. Allumer, non. Le temps de trouver une. Un truc et tout. On va faire un petit cut, puis on se retrouve quand on va être devant, là. Bon, alors, je suis allé chercher tout simplement. J'avais un petit souvenir d'avoir pris déjà une petite capture d'écran d'une ruche qui était pas mal facile à accéder. Je vous mets le screen tout de suite. Alors, voilà, vous savez où on va, direction cette ruche-là en espérant. Alright, la gang, on est là, on est là, comme on dit dans le Banks. Fait, on va prendre ceci, boum boum, et on y va. Allez vite, j'imagine, genre. Ça pour ça. Alright, on va partir à la recherche d'une autre, puis on. Déception, mais bon, on va se reprendre. Ok, on est back, les boys. Fac, on se retrouve juste ici. Il y a une place où j'allais prendre, en fait, mon miel. Alors, on peut encore en récupérer, fac. Je pense techniquement que si on peut encore en récupérer, c'est qu'elle est encore active. Alors, on va
péter le pilier, ce qui va techniquement tout péter, c'est tout ce que je voulais. Exactement. Puis c'est parti. On y va. Non. Il y en a-tu encore ou pas? Bon. Ok. Celle-ci. Allez. Déjà. 3 sur celle-là, là. Ça n'a pas de bon sens. Enfin, maudite merde. Enfin. On en a une. Maudit. Ouf. Ok, on a réussi. Mon dieu, désolé d'avoir pas trop parlé, mais j'étais vraiment en train de me concentrer. Alright, on rentre à la base, les boys. Ok, les refs. On est de retour à la base après avoir enfin obtenu notre toute première ruche. C'est pas ça que je voulais faire. Et voilà. Je pensais la mettre là. La mettre là. Alors, je pense qu'on peut la déplacer, mais je suis pas sûr au pire. Si ça nous plaît pas. Et au pire, j'en ferai une hors cam si l'emplacement me plaît pas. Mais je pense que, honnêtement, c'est l'emplacement que je préfère. Alors, et voilà. Là, ensuite, ça va nous produire du miel, je sais pas à quel rythme, mais ça va nous en produire, c'est ça le principal. Juste détruire, fait que je pense pas qu'on peut la déplacer. Mais de toute façon, je trouve que c'est un bon emplacement. Bref, les potes, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao tout le monde. Peace.